Parce que je pense que c'est ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a une affaire qui me scie les jambes, c'est que c'est tellement une partie de plaisir pour tous les festivaliers qu'ils se permettent, dès qu'ils peuvent dans un spectacle, de réagir et de crier et de passer des commentaires. Et ça, là, dès qu'on quitte l'intercollégial de théâtre, là, on ne trouve pas ça nulle part. Là. En tout cas, peut-être qu'on trouve ça à des endroits, mais moi, je trouve que j'ai jamais vu ça nulle part sur les scènes de théâtre à Montréal, mais je trouve que c'est la vie. T'sais, il y a des années, on disait qu'au théâtre, au 17e siècle, au 18e siècle, les gens se permettaient d'invectiver les acteurs, puis de répondre aux acteurs, puis ça. Puis aujourd'hui, on ne voit plus ça jamais. Mais ah, si on vient d'intercollégial, ça commence à ressembler à ça. Mais c'est rien de négatif, c'est juste un gros party, mais c'est ça qu'on veut que ça soit, l'art théâtral, t'sais, puis la scène, t'sais, l'occasion que tout le monde ait du fun. T'sais. Dimanche matin pour un déjeuner avec 6 étudiants qui vont avoir gagné ce privilège. Ils sont peut-être pas se sentiront peut-être pas aussi privilégiés que ça après le déjeuner. On verra, je vais essayer d'être intéressant. Puis sinon, ben, c'est ça, la dernière journée, je vais être présent pour assister à atelier, production, etc. dimanche. Voilà.